très grande, mais pas assez grande pour qu'au fond de l'eau se perde ton nom. Et tous les fleuves et tous les ruisseaux, quand ils y descendent, murmurent ton nom. Tu es comme un phare que l'on nomme, un phare que l'on nomme Liberté, Libertad, Freedom. Bonsoir, c'est avec beaucoup d'émotion et de passion que l'on vous accueille ce soir pour cette troisième édition de la Nuit de la Photo. Dans cette magnifique cité vannetaise, merci beaucoup au Conseil de l'Europe pour sa présence. Merci beaucoup à l'Office de Tourisme Bruno Baudard de nous avoir fait confiance. Je cède la parole à nos parents. Alors moi, ça fait la troisième année que j'assiste à ce spectacle d'Almine la Photo et j'avoue que d'année en année, ça s'améliore constamment. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on garde ce thème des libertés. Et finalement, avec le thème des libertés, on a toujours de l'actualité à se mettre sous la main. Aujourd'hui, l'actualité, c'est bien sûr, c'est le monde arabe, c'est l'Afghanistan, c'est la Chine, etc. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que l'année dernière, il y avait les photos ici de Stéphane Taponnier et d'Hervé Guéquière qui étaient otages en Afghanistan. C'était d'ailleurs un petit peu les vedettes de cette nuit de la photo de l'an passé. Et aujourd'hui, ils ont été libérés, donc on passe à d'autres thèmes. Il y a encore des otages qui sont prisonniers dans le monde. Mais on arrive aujourd'hui finalement à obtenir la libération des gens qui sont prisonniers dans le monde entier. Et donc je pense que c'est à eux qu'on devrait dédier cette soirée à laquelle vous allez assister maintenant. Merci. Un oiseau que nul n'emprisonne, que nul n'emprisonne. Liberté, liberté. Chanter.